partie se ressourcer à la campagne après la naissance de la princesse Charlotte le week-end dernier. Kate Middleton et le prince William ont adressé une lettre aux photographes en leur rappelant leur droit à une vie privée. En gros, qu'ils ne cherchent pas par tous les moyens à prendre d'autres clichés de la petite princesse. 10 heures après son accouchement samedi dernier, Kate Middleton s'est présentée toute pimpante sur le perron de la maternité du St Mary Hospital de Londres pour présenter la princesse Charlotte au monde entier. Pendant quelques minutes, les photographes ont pu prendre des clichés sous toutes les coutures de la nouvelle membre de la famille royale. Kate et le prince William espèrent que ces photos contenteront les paparazzi. Partis se ressourcer à la campagne après cette période de stress intense, le couple princier a adressé vendredi une lettre de mise en garde aux photographes qui s'approcheraient un peu trop près du domaine royal de Sandringham. Nous voudrions à nouveau demander clairement que cessent les actes de harcèlement et de violation de la vie privée. Il y a eu dans le passé un certain nombre de violations de la vie privée de la famille royale dont les principales ont été causées par des photographes professionnels utilisant des téléobjectifs, a précisé la secrétaire en charge de la communication de Kate et William comme l'a révélé le site de la BBC. Depuis mercredi, le duc et la duchesse de Cambridge profitent des premiers biberons de Charlotte à l'abri des regards dans leur résidence de Hanmay Hall. Ils veulent profiter du jardin en famille en compagnie du prince George également. Il est vrai que les photographes chargés de la famille royale devront se montrer patients. La prochaine sortie publique de la petite princesse interviendra seulement lors de son baptême dont la date n'est pas encore connue.